Bienvenue, ici War Survivor Chris Vegas qui s'adresse à tout le monde. C'est parti pour la suite de Watch Dogs Legion sur PS5. Avec peut-être la suite de l'histoire, on va voir ce qu'on peut faire. On essaie à débloquer le trophée où il faut acheter 100 000 ETO de vêtements. Et pour l'instant, on est loin du compte d'avoir l'argent. Donc il faut peut-être un peu continuer l'histoire pour gagner un peu d'argent. On essaie à tout faire combiner, tout rassembler. On verra bien ce que ça va donner, les amis. Voyons voir ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Petit à petit, l'éditeur continue. Donc là, on va devoir suspendre notre filature pour l'instant. Vous êtes prêts à combattre? Absolument. Ouais. C'était une question rhétorique. Alors, la révolte ici, ça a été fait. Et on avait fait le trophée Vodka Martini. Alors, qu'est-ce que ça concerne, Vodka Martini? On va voir ça. On avait fait. Et doucement le bruit. Voyons voir ça. Watch Dogs Legion. Désactiver les armes de 5 gardes d'avion en une seule fois avec montre d'espion. Ça, on avait fait. C'était le dernier trophée qu'on a fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va voir ça. On va voir ça. Donc ici, il nous reste encore pas mal de trophées. Pas mal de quartiers et pas mal de trophées à faire encore. Là, on peut engager un tueur à gage, un anarchiste, un expert. Alors, autant continuer. On va faire une mission plutôt. On va faire la mission d'Albion. 700 ETO, 20 points tech. Ça peut être pas mal. Et dans les points tech, qu'est-ce qu'il y a dans les points tech? D'abord, on va reprendre toi. John O'Farrell. Voyons voir. Petit à petit. Félicitations, c'est votre jour de chance. Ouais, si tu le dis. Dans les points tech, il me reste juste celui-là où il faut le niveau 6 de Burrow. Et là, on en est à combien? 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oui, 4 quartiers. Sur 6. Et on est à la moitié. Très bien. Ça me fout en l'air de mettre Marie Kelly de côté alors qu'elle continue de détruire des vies avec ses micropuces. Exactement. Mais pour l'instant, on n'a pas le choix. Si tu le dis. D'être temps de s'en pencher de plus près sur le gros gibier du jour, Nigel Cass, militariste milliardaire et actuel PDG de nos barbares préférés, les mercenaires d'Albion. C'est pas mal. C'est vrai que les attentats ont beaucoup réussi à Nigel Cass. Et nos appels à la résistance, ont beau être formidables, ils seront pas suffisants pour briser l'emprise d'Albion sur Londres. Tu crois? Avec Cass au sommet. Oh, il est retourné. Je me suis trompé, s'il te plaît. Une brèche potentielle dans l'armure de Nigel Cass. Merci. Un ex-employé, ex-ami, qui a l'air de vouloir se venger. Si on peut le retrouver et le convaincre de travailler avec nous, là, on est d'accord. On se retrouve à la planque. Faut qu'on discute. Il n'y a pas de souci, on va discuter. Si tu veux discuter, on va discuter. Ah ouais, tu veux me parler à moi? On va parler. On va parler tranquillement. Donc toi, t'es qui toi? T'es une surprise pour plus tard. Hein.
truc là. Quoi, c'est pas possible. Rebecca. Rose. Donc toi, t'es dans l'émission. Richard Samuel. Samuel? Samuel? Oh, il y aura un peu pour plus tard. C'est presque Samuit. Samuit? Mais là, c'est Samuel. Bien, bien. Parlons un peu d'Albion. La seule organisation capable d'appliquer autant d'oppression sur le monde en développement que le gouvernement britannique. Donc, dirigé par Nigel Cass, un visionnaire charismatique selon certains médias, mais un criminel de guerre selon Amnesty International, Albion a reçu les clés de la ville pour rétablir l'ordre après les attentats. Pas mal. Je trouve que le timing est louche, honnêtement. En effet. Raison de plus pour trouver un moyen d'attaquer Nigel Cass. Nous en avons trouvé un. Son nom est Amish Bolach. Né à Londres, Bolach a reçu à 14 ans une bourse pour un cursus technique à la Fondation Cass, qui incluait un tutorat de 400 personnes. À 16 ans, Bolach lui a conçu sa première flotte de drones. Anecdote amusante, car ça a poussé le lancement d'une semaine pour qu'il tombe le jour de l'anniversaire de Bolach. Cass est donc comme un père pour Bolach. Pourquoi est-ce qu'il nous aiderait? On verra bien. Ils se sont disputés après un incident dans le delta du Niger il y a 3 ans. Ah. Une enquête des droits de l'homme accusait Cass d'avoir envoyé des drones pour éradiquer un village s'opposant à la construction d'un pipeline. Mais les drones sont tombés en bas avant d'y arriver. Bolaji les aurait sabotés. Il est donc à l'appui, mais les données de traçage indiquent qu'il est de retour à Londres. Putain, il veut se racheter comme avec les manifestants. C'est lui qui a conçu les drones de Cass. Je crois qu'il cherche à désarmer Albion. Peut-être. Il couvre bien cette phrase, mais cela semble plausible. Malheureusement, selon ce rapport de renseignement d'Albion intercepté par notre ami Caitlin Lowe, Cass sait que Bolaji est à Londres. C'est là que vous entrez en jeu. Contactez Bolaji avant qu'Albion le trouve et convainquez-le que Cass est notre ennemi commun. Donc ce mec est notre meilleure chance d'arrêter Albion et de sauver notre image. Et la plus grande milice privée du monde veut le tuer. Pas mal comme pression. C'est vrai. Pas mal comme pression. Ça n'a pas été simple, mais j'ai réglé la zone où l'on a le plus de chances de tomber sur Amish Bolach. Je vous ai mis les coordonnées sur votre optique. Merci, c'est gentil. D'accord. Juste. Alors, ouvrir. On va te localiser. Si c'est demandé si gentiment. Quand on est gentil. On va te trouver, localiser avec un repère et un bon itinéraire. On va rouler aussi vite qu'on peut. Ouais. Le dessin. Donc là, il y a pas mal de ETO. Et de stations. Et les ETO, ça va nous servir pour plus tard, pour les points, pour les techs. Pour acheter tout ça et aussi acheter pas mal de choses. Piratage. Modifier. D'accord. Il y a même un 6 coups, et bah dis donc. Revolver. D'accord. Gadget. On va voir ça. On verra tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faudra modifier?
faut aussi quand même qu'on continue un peu l'histoire du jeu. Ça peut être pas, pas mal. Exactement. Comme elle dirait la chanson. La cité de Camden. Ben ça serait gentil de le désactiver, merci. Oh merci. Oh pas de quoi. Bientôt, tu seras à moi. Le platine de Watch Dogs Legion. On espère. Bientôt tu seras le bienvenu, le platine. Peut-être bientôt. Y'a que tu veux toi. T'as un problème? Ouais, il y avait juste quelqu'un derrière. J'ai mis son nez dans les affaires d'Alcatraz, discrètement bien sûr, mais j'ai pu déterminer que la majorité de ses activités émanaient de cette zone. D'accord. On va lui rendre visite. Pas si vite. Amish n'est pas chez lui d'après son système de sécurité. Et avant que vous ne fassiez n'importe quoi, sa porte d'entrée est reliée à un ensemble de pièges conçus pour liquider toutes ces données ainsi que vous-même. Pas forcément dans cet ordre. Quoi? T'as signé que je fais n'importe quoi? En même temps, vous êtes une tête brûlée qui cherche à s'introduire chez lui avec des armes. Bref, vous devriez pouvoir vous connecter au réseau local pour utiliser les caméras de sécurité et désarmer ces pièges. Bah, tu sais demander si gentiment. Il suffit de le demander. Alors, où est-ce qu'on peut y aller? Il faut que je pirate ton appartement. Pirater. Bah, qu'est-ce que tu m'en racontes là? Je pense que l'interface principale se trouve sur le toit. Toi des fenêtres, des idées maglées. Bien sûr, si vous pouvez les atteindre. Il y a trois options. 1. Vous servir de l'échafaudage. 2. Trouver un drone de construction. 3. Abandonner, rentrer chez vous et faire des mots croisés. Ah bah là, tu peux toujours courir là. Alors, comment on pourrait passer? Dis-moi ton secret. On va te trouver une solution. Rentrer chez moi et puis quoi encore? Je suis déjà chez moi. Ouh, ça se fait mal ça. Ah mais tu rêves ou quoi? Rentrer chez moi et puis quoi encore? À pas tenir longtemps celui-là. Rentrer chez moi. Il est drôle quand même. Ouh. Ça, ça fait mal ça. Pendant. Pas besoin d'armes. Voyons voir ça. Trouver un drone de construction. Bien sûr. Attirer. Où es-tu? Voyons voir ça. Contrôler. Eh, j'ai dit contrôler. Pourquoi tu veux pas contrôler, toi? Toi? C'est pas toi. C'est pas toi. D'accord.
Où es-tu? Voyons voir ça. Bah... Personne qui veut me laisser passer? Ah bah non, y'a personne. D'accord. On va te trouver une solution. Un petit passe-temps. Un patin. Encore du danger. Contrôler. On va te laisser là. Ou oh, pardon. Ah, tu vas pas te le faire. Alors contrôler. Toi tu vas monter là-dessus. D'accord. Ok. On va contrôler. L'appareil, mais c'est pas possible. Jusqu'à présent. Où est-ce qu'on peut aller? On va essayer de trouver un engin pour voler. Non, ça va bien. Où est-ce que tu es, le drone? Où es-tu? Wow, wow. D'accord, c'était pas la bonne idée du siècle. D'accord, un drôle d'Albion. Dommage, dommage, dommage. Non. Toujours de blessés. Contrôler. Ouais. On va y passer. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on peut ramener? D'accord. Ouh, dommage. Dommage, dommage, dommage. Alors, on va contrôler. Contrôler. Merci. Ah, dommage. Contrôler. Ok. Ça va pas le faire comme ça. Ok. Ça va comme ça. Ok. Thank you.
Ok. Dommage. C'est peut-être une idée. Ah, dommage. C'est pas la bonne idée. Dommage. Ok. C'est dommage. Et on va trouver une solution. Quand on l'aura trouvé, ce sera parfait. Ok. Piraté. Non. Hors de portée. C'est dommage. Très étrange. Bon, on va trouver. Ah ben voilà. Juste pour ça. Baisser. OK. Monter. Merci beaucoup. Maintenant, on va pouvoir aller là-dessus. Et avec ça, avec l'arachnobot, on va interagir. Pour faire ça, contrôler. On va tout contrôler. Sami, c'est pas très accueillant, mais il se débrouille pas mal avec les pièges. Vous pourriez rétablir la courroie afin de désamorcer les pièges. Je m'en occupe. Si tu veux, on est d'accord. Pivoter. Pivoter. Rien que ça. Ah, les puzzles. Pirater cette caméra. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette caméra par là? Ok. Non, ça blague. Est-ce
cas-là, ça passe. Cool. Là, ça va jusqu'à où, là? Ok. Parfait. Excellent. Cool. Bah magnifique. Et là, on demande de le désactiver. Bah il faut le demander. Désarmer l'arme. Maintenant, si vous passez par la porte d'entrée, vous risquerez moins de vous faire trucider. Ah bah c'est gentil de le préciser. Entrer dans l'appartement de Amish. Ouh, je suis tombé. Alors, qu'est-ce que tu... Où tu vas m'emmener, Peter? Voyons voir ça. Ramène-moi où tu peux. Ok, tu es toi. Philosophe. Contre-maître. Oh, bonsoir. Hein. On va rentrer. Et personne ne dira quoi que ce soit. Parce que je suis le personnage principal. Comment tu peux fumer, toi? Avec un masque. Pas grave. Bouge, bien sûr, c'est ça que tu fais. Dis-moi qui t'es. Est-ce que tu fais chez moi? T'es à Lyon? Non. En fait, c'est plutôt carrément l'opposé. Quoi, Detsec? C'est ça, oui. Moi, je suis Che Guevara. Foutu. Eh bien, c'est... Attends. Albion, c'est que t'es à Londres. Tue-moi si tu veux. Mais tire-toi à poil vite. Oh, bordel. T'es pas en train de... Non. C'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai été con, bordel! Bon, écoute, Cas, c'est pire que tu l'imagines. Crois-moi, on sait. Pourquoi je serais ici à risquer ma vie, sinon? Peut-être, parce que Nigel Cas te paye. C'est bien la méthode des mercenaires. Écoute, on a besoin de toi. On n'est pas du tout avec Cas. Il a essayé de nous buter, il a participé aux attentats. Tu peux même pas imaginer. T'as pas idée de qui il est, Cas, et de ce que... Allez, allez! Oh, merde! Aïe. Merde, c'est pas bien ça. Mais frappé du tout. Ouais, ça a bien fait de fuir, hein. Ça fait mal. En avant. Bon bah je vais devoir courir, hein. T'as pas l'air de me tirer dessus, toi? Apparemment, non. Bah, c'est parti pour fuir. Ouais, tu me laisses tranquille. J'ai bien de le remarquer. Ouais, tu me laisses tranquille. D'accord, tu peux me laisser tranquille, merci. Merci, je vais pouvoir partir. Bah tant mieux. Tant mieux. Ah bah voilà. Je crois que toutes ces péripéties ont convaincu notre nouveau copain Amish que la collaboration est de mise pour se débarrasser de Cas. Il accepte de faire équipe avec nous. Ok. Dans une brèche, mission accomplie. Mission au cœur de l'Albion.
d'Albion. Alors bon, j'ai réussi à m'enfuir, mais c'était chaud. Je vous crois, je crois. Alors écoutez-moi bien. Nael Jell prépare quelque chose. Okay. Et je pense pas pouvoir l'arrêter tout seul. Si Deadseg est fidèle à sa réputation, va falloir m'aider. On peut collaborer, surtout. Nigel Cass a sûrement été mêlé aux attentats. Qu'est-ce qu'il pourrait bien prévoir de pire? Non. On verra bien. Enfin, pas vraiment. Nigel, son truc, c'est de jouer les héros. C'est un arrogant, mais pas un cynique. Tant mieux, Nigel. Il voulait résoudre les problèmes avec une police robotisée ou une sonneuse automatique, un machin du genre, ou je sais pas quoi. Pour lui, la société est un problème technique. Et les gens sont des bugs dans grave. On doit les contourner ou les éliminer. Désolé, mais je dois changer de proxy pour pas me faire repérer. Je vous recontacte en vocal. Écoutez, j'ai une dope, d'accord? Un gars qui bosse chez Albion. Et d'après lui, Nigel a un gros rendez-vous prévu à la White Tower pour parler d'un immense projet pour la ville de Londres. Ce qu'il nous faut, c'est un agent infiltré. Une mission d'infiltration chouette alors, j'en rêvais. Procédons dans l'ordre. Nous devons épier une cible surprotégée, alors je vais dresser une liste des talents requis pour nous constituer une petite bande de rebelles. Ah, merde! La cybersécurité d'Albion vient de renifler mon IP. Ils ont dû suivre le signal du détonateur. Faut que je m'en occupe. Ok. Fin de la vidéo.